ne donnez pas accès au diable. Alors, si le que tu nous dis cela, ça veut dire que nous sommes à mesure de le faire. À ce moment-là, dire, ne donnez pas accès au diable. C'est parce que cela est possible. Il est possible pour nous de ne pas donner accès au diable. Alors, chaque fois quand le diable viendra avec toutes ses idées, toi, tu dois être à mesure de refuser de lui donner accès. Chaque fois quand l'ennemi viendra. Jésus-Christ, il vient pour que le brebis puisse avoir la vie et qu'il puisse avoir une vie en abondance. Mais le voleur, c'est les diables. Le voleur, c'est les diables. Quand tu lis la Bible et qu'on t'explique partout, tu vas voir que oui, le voleur, c'est les diables. Caïn a tué Abel. Si Caïn a tué Abel, c'est parce que leur maman avait mangé le mauvais fruit que Satan avait donné. Pourquoi? Leur maman avait donné accès au diable. Si tu donnes accès au diable, il peut entrer dans ta famille et égorger. Pourquoi tu dois refuser? Tu dois refuser parce que le méchant va te détruire. Jean 4, 7 nous dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand il te dit de résister, c'est la même façon quand on nous dit là, de ne pas donner accès au diable. Alors, tu ne donnes pas accès comment? Quand il veut entrer, toi tu fermes ta porte. Tu dis non au diable, tu lui résistes, tu refuses de lui donner accès. Tu as le pouvoir de les résister et tu peux le résister d'une telle façon que il va fuir. Chaque fois quand le diable vient vers toi, il vient avec un mauvais plan. Quand on te parle de toi dans la Bible, chaque fois quand le Seigneur te parle de toi, quand il te dit de résister le méchant, il est en train de te parler à toi et à tout ce qui compose ta vie, que ta vie est composée de l'esprit, de ton âme, de ton corps et de ta famille. Toutes ces choses font partie de ce qui est ta vie. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et tu vas être à mesure de refuser de donner accès au diable. Et quand tu vas refuser, il va fuir. Voilà. Des fois, nous cherchons beaucoup de choses. Des choses compliquées. Et on dit que, oh, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pendant que le Seigneur te dit que non, ça va marcher. Refuse de lui donner accès. Refuse de lui ouvrir la porte. Refuse de lui donner accès. Refuse de lui ouvrir la porte. Je refuse, par le nom puissant de Jésus, je refuse de donner la place aux méchants. Oh, quel que soit, je veux que déjà tu commences à prier avec moi. Je veux que tu commences à prier. Oh, si j'ai ouvert la place, si j'ai ouvert accès aux méchants, au diable, pendant que j'étais ignorant. Oh oui, vous savez, le méchant est venu. Ève, le Christ peut te sauver de là où tu as ouvert le chemin, là où tu as donné accès sans le savoir. Je refuse par le nom puissant de Jésus. Je refuse, je dis que non, Satan, je refuse par le sang de Jésus. Aujourd'hui, par le sang de l'agneau, j'ai l'autorisation, le pouvoir de te dire non. Voilà pourquoi je t'ai dit non. Voilà pourquoi je t'ai dit non. J'ai l'autorité et le pouvoir de te dire non. Alors je t'ai dit non. Je refuse de donner accès au diable. Dans ma vie, j'ai dit non. Nous avons lu ensemble dans Jean 10, 10 que le méchant vient pour détruire, égorger et voler. Alors si tu vois dans ta vie qu'il y a des choses qui ne vont pas, marchent pas, si tu vois dans ta vie qu'il y a des complications, si tu vois dans ta vie qu'il y a des histoires, ceci, cela, c'est les méchants. C'est les méchants. Il n'y a pas à penser. Alors, pour que le méchant puisse être à côté de toi et bloquer ta vie, c'est qu'il a eu accès quelque part. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir aujourd'hui où l'apôtre nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez des diables, il ira loin de toi. Si les diables vont loin de toi, les choses vont commencer à marcher dans ta vie. Si les diables, oh, moi, je veux que le diable puisse aller très loin de moi. Alors, je me soumets à Dieu. Prie avec moi. Prie là où tu es dans ta maison. Prie avec moi. Nous sommes en train de prier ensemble. Je te dis non par le sang de Jésus. Là où tu avais dit oui, tu peux effacer ces choses-là avec le sang de Jésus. Tu dis que non. Là où j'avais refusé de résister pendant que je ne connaissais pas, pendant que parce que Satan, quand il vient de foi, il vient d'abord te mentir. Il vient te mentir et toi, tu ne sais pas. Alors, tu te laisses faire et après, tu sais que ah, c'était les méchants. Mais maintenant que je sais, j'ai dit non. Maintenant que je sais, j'ai dit non. Tu ne peux pas m'avoir dans tes pièges. Tu ne peux pas m'avoir dans tes mensonges. Tu ne peux pas m'avoir. Non, je reparle le nom puissant de Jésus. Quand le méchant s'éloigne de toi, les choses vont se produire dans ta vie. Partout, au nom de Jésus, là où le méchant s'est caché dans ta vie, là où il s'est caché, il doit être délogé aux gens. Parce que nous sommes en train de nous appuyer sur la parole de Dieu. Je te résiste au nom de Jésus. Je te résiste. Non. Tu dois dire, ouvre ta bouche, dis à l'ennemi. Je te résiste dans ma vie par le nom puissant de Jésus. C'est un verbe que l'apôtre a mis pour nous. Résister, ça veut dire refuser.